Voilà, bonsoir, bonsoir chacun, chacune. Eh ben, super content de vous retrouver pour ce 12e live évolutionnaire et ce, je sais plus, 4e ou 5e sur les cartes de la conscience. Et aujourd'hui, on va aborder une carte assez complexe, la plus riche de toutes celles que j'ai exposées, puisqu'il s'agit de la spirale dynamique. Alors, la spirale dynamique, elle nous vient en fait de recherches faites donc dans le domaine des sciences sociales au départ par un chercheur américain qui s'appelait Claire Graves et qui, à la même époque de la recherche de Maslow, hein, qui est connue pour sa pyramide des besoins, vous savez, on commence par les besoins vitaux, survivalistes, et puis par étages successifs, après quand on a réussi à se nourrir, s'éduquer, se vêtir, etc., on arrive jusqu'à la réalisation de soi. Et Claire Graves, en tant que sociologue, lui s'intéressait à la hiérarchie des comportements, ou des valeurs, ou des visions du monde. Donc, on se trouve toujours dans les questions de carte de la conscience, bien évidemment, mais on va chercher, puisqu'on ne peut pas évidemment mesurer l'intériorité subjective des gens, on ne peut le voir qu'à travers des comportements, ça veut dire sur l'aspect extérieur, les comportements ou bien les systèmes de valeurs des gens, ou bien aussi comment ils décrivent leur vision du monde. Et plus tard, ce travail de Claire Graves se voit repris par d'autres personnes, en particulier évidemment Ken Wilber, dont je vous ai déjà parlé, et je vous en parlerai dans d'autres lives évolutionnaires, et tout ce qui touche en fait à ce qu'on appelle la mémétique. La mémétique se rapporte finalement au système culturel, ce que la génétique se rapporte au système biologique. Autrement dit, la mémétique se rapporte à la noosphère, ce que la génétique se rapporte à la biosphère. Et donc, quand on parle de mème, on parle de système de valeurs, comme on parle de gène, comme donc système vivant, unité en tout cas de vie. Et on va aussi vous entendre parler de value memes, hein, de mèmes de valeurs, on peut dire. Ça veut dire de système de valeurs en fait qui se véhiculent et qu'on connaît bien à travers soit des religions, soit des chansons, soit des pensées politiques, etc., etc., et qui se diffusent exactement comme peuvent le faire comme peuvent le faire des gènes. Alors, ce que je trouve de très intéressant dans cette carte, donc reprise après par quelqu'un qui s'appelle Don Beck, cette carte-là va nous donner des analyses beaucoup plus fines, en tout cas, de tout ce que j'ai par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, plus fines et parfois aussi moins complètes, puisque chaque carte, en fait, a ses capacités. On va voir, donc je vais vous évoquer plusieurs niveaux, là beaucoup plus que les fois précédentes. Et ces niveaux, on a pris comme convention de leur donner des couleurs, en fait, parce que ça s'avère plus facile finalement à retenir que simplement des termes techniques de sociologie, bien que au temps de Claire Graves, il ait donné des codes un petit peu plus complexes, un peu plus techniques, on va dire, en sociologie. Mais au moins, les couleurs, on arrive à s'en souvenir. Donc, il y a plusieurs couleurs. Et je vais commencer, on va dire, par ordre croissant de niveau de conscience. Encore une fois, sans jugement de valeur, bien entendu. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit sur les holons, à savoir que à chaque fois qu'on a un nouveau niveau de conscience, hein, faut le voir un petit peu comme des sphères qui s'emboîtent, comme des poupées gigognes, hein, comme des poupées russes. À chaque fois, un nouveau niveau ne rejette pas l'ancien, il le transcende et il l'inclut. Ça veut dire qu'on a toujours l'ancien niveau opératif au fond de nous, mais il y a un niveau de conscience qui prend le dessus, en quelque sorte, et qui nous amène à un nouveau niveau de réalité psychique, donc nouvelle façon de voir le monde, donc nouveau système de valeurs, donc nouvelle forme de comportement, à savoir les choses qu'on peut là, pour le coup, étudier et mesurer en sociologie, puisque ça sort à l'extérieur de nous. Alors, je vais faire un passage de cet arc-en-ciel de couleurs. Ça commence par le beige, qu'on peut estimer, je vais vous donner des dates un petit peu, mais très très approximatives, hein, il faut vraiment les prendre avec des pincettes, prenez-les plutôt comme des ordres de grandeur. Je vais commencer par le beige. Le beige qu'on estime présent, on va dire, il y a 100 000 ans, à savoir cet état de conscience dans lequel on se trouve en fait dans mode survie, tout simplement, instinct, survie, rester en vie, éventuellement pas seul, en bande aussi pour survivre, mais on se trouve vraiment là dans la question de survie. Par exemple, si on se trouvait, je sais pas, naufragé ou bien dans un temps de guerre, il faut échapper à nos assaillants, on se trouverait à ce moment-là dans un état beige. On peut aussi dire l'état de nature sauvage, bien que je le mets vraiment entre guillemets parce que je rejette l'idée de nature, parce que ça ne représente pas une réalité scientifique, la nature, ça représente une construction mentale. Nous faisons partie de l'univers, donc nous émanons de l'univers, donc la dissociation naturelle et non naturelle ne me semble pas pertinente. Mais en tout cas, on peut s'imaginer dans un contexte, on va dire, sauvage, ça veut dire de survie au niveau du beige.
Alors évidemment, ça ne concerne pas notre vie quotidienne, en tout cas je l'espère. Maintenant, s'il y a des gros effondrements et qu'il y a des périodes de guerre, ça peut arriver, ce genre de choses. On va passer maintenant à la couleur suivante, à savoir le violet, qu'on peut estimer à 50 000 ans, ou en tout cas après l'apparition du langage abstrait qu'on estime voir apparaître il y a 65, 70 000 ans, 60 000 ans. Bon, on n'a pas une date précise, mais là qui nous fait rentrer dans des sociétés animistes, magiques, mythiques, hein, avec le début d'une conscience socio-centrée. Une vie spirituelle démarre, évidemment. Il s'agit de protéger le clan, de ne pas déplaire aux dieux. On a cette expérience de la toute-puissance de l'univers autour de nous, de ses dangers également. Il y a très peu d'individuation. En fait, l'individuation se fond vraiment dans le groupe. Donc, il y a vraiment un nous collectif dans lequel l'individu n'a pas encore une personnalité forcément très différenciée, très distinguée de l'individu, donc par un mécanisme vraiment de fusion et d'identification au groupe. On trouve aussi dans ces sociétés-là, donc humaines, bien les rituels de passage, le sacré, la relation à la mort, l'expérience du temps cyclique aussi. Il faut se rappeler que nos sens, nos perceptions ne nous donnent pas une perception du temps linéaire. Le temps linéaire, ça relève d'une construction sociale. Mais sensoriellement, nous percevons du temps cyclique. Ça veut dire les jours, les nuits, la vie, la mort, les saisons, etc. Ça caractérise en fait principalement les peuples premiers qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Alors évidemment, on n'en trouve plus beaucoup. La plupart n'ont pas vraiment survécu à la civilisation, entre guillemets. Mais ça caractérise effectivement, on va dire, les peuples premiers. Alors à chaque fois que je vais aborder une couleur, je vais aussi parler des formes pathologiques qu'on peut trouver ou des limitations qu'on peut trouver. Et puis aussi, dans les couleurs suivantes, je vais aussi parler du corps, comment on a une relation au corps. Ça nous donne quelques clés aussi sur l'expérience de la couleur. Sur l'aspect pathologique du violet, je vais rester très simple. On va le trouver surtout dans la notion de conflits tribaux, hein, qui caractérise quand on étudie les peuples premiers, les histoires de tout ça, on voit qu'il y a eu dans beaucoup de zones des conflits tribaux et parfois des conflits tribaux très violents. Je continue sur la couleur suivante, et là nous entrons dans le rouge. Le rouge qu'on peut estimer il y a à peu près 10 000 ans, on va trouver vraiment les chasseurs-cueilleurs, un début de sédentarisation, la naissance aussi de l'ego, ça veut dire de la personnalité, de l'individualité, avec donc des formes beaucoup plus impulsives, peut-être beaucoup plus égocentriques aussi. On y voit aussi le monde un peu comme une jungle, comme un monde de prédateurs. Il faut se battre, il faut dominer. Il faut refuser toute domination des autres, donc ça se voit dans une relation très conflictuelle. Il faut conquérir son pouvoir. Les désirs personnels prédominent, donc il reste premier. Il faut se faire respecter. Il faut vivre à 100% sa vie également. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette notion-là d'individualité. Le corps, quant à lui, relève d'un objet pour la domination ou un objet de domination, hein, puisque là on a vraiment quelque chose de très conflictuel. On va trouver aussi une sexualité ultra masculine, ultra féminine, souvent assez agressive. Alors on trouve cette forme de conscience rouge aujourd'hui, par exemple, dans les gangs. On pouvait la trouver aussi dans les formes tribales qu'on peut voir encore aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'un État se désagrège, et on peut retrouver des clans tribaux qui s'affrontent, hein, pour des dominations. Donc, ça nous met un contexte de violence, de sexisme, d'angoisse, éventuellement de vie courte. Il s'agit, dans le rouge, d'un contexte social relativement violent. Alors déjà, là, vous voyez, on va rentrer dans des couleurs, on va dire, qui nous concernent de plus en plus, mais vous allez noter qu'à chaque fois que je passe dans une nouvelle couleur, on a un petit peu un mouvement de balancier. Par exemple, dans la couleur précédente, donc à savoir le violet, le groupe prédomine et l'individu s'avère secondaire par rapport au groupe. Le collectif devient plus important et on va dire aussi le féminin quelque part, hein, puisque le féminin englobe, peut avoir dans sa forme extrême une relation fusionnelle, alors que le masculin, lui, va privilégier l'individualisme et plutôt la séparation. Hein, je caricature, mais on va bien voir qu'à chaque fois que je passe dans une nouvelle couleur, on a un mouvement de balancier un petit peu en réaction évolutionnaire par rapport à la couleur précédente. Et à chaque fois, je le répète, on passe dans une sphère de conscience plus grande. Il y a malgré tout dans le rouge une sphère de conscience certainement plus grande que dans le violet. Je continue. Lorsque finalement on en a éventuellement assez ou la société atteint ses limites de conflits ethniques, de conflits
de zones de territoire, de chefs de guerre, de gangs, etc. Elle va passer dans la couleur bleue, qu'on peut estimer démarrer il y a à peu près 5000 ans. En fait, ça naît avec l'intelligence collective pyramidale, avec les civilisations, avec l'écriture, avec la naissance des monnaies. Donc, lorsqu'on passe en fait de la préhistoire à l'histoire, donc historiquement parlant, même si on peut avoir encore du bleu aujourd'hui, bien entendu, il y en a beaucoup, on va le voir dans le monde. Mais voilà, on estime que ça démarre en fait avec le début de l'intelligence collective pyramidale, donc il y a à peu près 5000 ans, à peu près. Alors là, dans le bleu, on repasse dans le collectif. La vie a un sens déterminé, une direction. Il y a un ordre cosmique, un dieu au-dessus, un destin. On rencontre, je vous le disais, l'intelligence collective pyramidale, les empires, la civilisation. On voit apparaître l'écriture, les hiérarchies sociales, les castes, l'argent, l'agriculture, la concentration du pouvoir, les monnaies rares, l'effet Pareto, enfin toutes ces choses dont je vous ai déjà parlé dans les précédents lives évolutionnaires. Sous les formes sociétales, on parle de religion, de théocratie, qu'on voit encore bien sûr aujourd'hui se développer et exister dans certains pays, dans certaines zones du monde. Le paradigme aussi se trouve autour d'un monde cosmique ou une parole révélée, immuable, incontestable, avec aussi une expérience de transcendance, avec aussi souvent un paradis qu'il faut atteindre et qu'on ne va pas atteindre dans cette vie présente, mais qu'on peut éventuellement mériter ou démériter. Donc très important à retenir dans cette sphère du bleu, on trouve les civilisations, le collectif se met à prédominer, il y a un ordre établi qu'il ne faut absolument pas contester. On ne conteste pas les saintes écritures, on ne conteste pas les livres de la loi. On ne conteste pas l'idéologie ou la cosmologie, ou la cosmogonie plutôt, plus précisément, sinon on s'expose évidemment à des risques. On ne sort pas aussi de ces castes sociales ou de ces classes sociales. Ça constitue typiquement, effectivement, les théocraties classiques qu'on a bien connues. Alors dans les pathologies, déjà dans le corps, en fait, on va trouver, contrairement au rouge, une sexualité réprimée. Il y a souvent une négation du corps. On va se mettre à cacher le corps. Le corps devient un lieu de culpabilité, de péché. Le corps devient souvent renié. On va le contrôler socialement, notamment en contrôlant sa sexualité, mais en contrôlant aussi par des codes sociaux, par ce qu'on a le droit de manger et de pas manger, avec qui on a le droit de se marier, pas de se marier, d'avoir des relations ou pas des relations. Comment on va mettre en place des règles qui vont justement maintenir ces différentes castes sociales, donc au niveau sociétal. Alors les pathologies, vous les avez bien comprises, hein, dans cet aspect-là. Il y a la culpabilité, le fondamentalisme, le fascisme aussi. On peut dire aussi l'identification archétypale. Ça veut dire lorsque, par exemple, un roi, un empereur s'identifie de manière archétypale au dieu tout-puissant, au soleil, à la figure du prêtre-roi, donc en fait à des formes archétypales. On devient cette forme archétypale. En termes de holon, on se prend, je dirais, pour le holon supérieur. Donc, on s'appelle un pape, qu'on s'appelle un inca, qu'on s'appelle un pharaon, un roi soleil. On va retrouver finalement ces mêmes formes-là avec toutes les castes en dessous qui vont aussi s'identifier à des formes archétypales et qui vont s'inscrire dans la forme sociétale. Alors, une fois que ces sociétés-là et ces systèmes de valeurs atteignent à nouveau leurs limites, je vous ai souvent parlé de seuil de complexité systémique, ça veut dire que ça marche un certain temps et puis au bout d'un moment, ça marche plus, ça s'étouffe sur lui-même. On a une phase de chaos et on va passer aux sociétés dites orange, qui démarrent en Occident du moins à la Renaissance, à peu près il y a 300 ans, où là on va trouver vraiment le soi rationnel. On entre dans la rationalité, on entre aussi, si on pense aux cartes de conscience précédentes, dans le rationnel. Alors, on avait parlé du pré-rationnel, rationnel, transrationnel. Là se développe pleinement le soi rationnel, qui va distinguer la subjectivité, donc le pré-rationnel d'avant, qu'on avait dans les cercles d'avant, dans les couleurs d'avant, et qui va donc, par cette distanciation, développer notamment la pensée scientifique. On va trouver dans le orange toute la naissance de l'universalisme, des sciences, de l'analyse donc objective du monde. En idéologie aussi, on retrouve, là on repasse sur l'individualité comme source première, comme fondatrice et fondamentale de la société, contrairement au bleu où je disais il y a un ordre cosmique qui nous dépasse et qui nous transcende. Donc il s'agit de gagner sa vie, de gagner la partie, de montrer son excellence, mais tout ça quand même dans des règles du jeu sociétal. Ça se distingue très clairement
du rouge, où là, dans le rouge, il y avait quasiment chacun pour soi. Je vais faire mon gang, je vais dominer les autres. Peut-être qu'il y en a un qui me renversera à un moment. Non, non, là, on ne se trouve plus du tout là-dedans. On se trouve vraiment dans les sociétés dites modernes. En fait, les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, la politique que l'on voit aujourd'hui, les élections présidentielles qu'on a vues, par exemple, en France, tout le discours et la construction sociétale qu'on entend dans le monde politique aujourd'hui se trouvent vraiment, sans aucun doute, dans le orange. Vous écoutez un discours d'Emmanuel Macron, de M. Macron, il va nous sortir aussi un discours dans le monde orange. Donc, le rationnel, le pragmatisme, le matérialisme, la possession, l'universalisme, les droits de l'homme. En termes économiques, on se trouve dans l'économie de l'extraction, hein, la manipulation de la matière pour bâtir, pour construire, la technologie, l'ère industrielle. Il y a aussi cette notion d'optimisme, de récompenser les meilleurs. Alors, au niveau du corps, on se trouve dans le corps, on va dire, plutôt vu comme une machine, un corps fonctionnel. On trouve justement dedans aussi la fameuse médecine contemporaine, la médecine plutôt allopathique. Puisqu'on voit le corps comme une machine, eh bien, si on lui met telle ou telle molécule de chimie, il va y avoir telle ou telle réaction. Donc, monde rationnel et donc monde des causes et des effets. Et la médecine se voit aussi comme un ensemble de causes et d'effets. Ça veut dire qu'on n'a pas encore intégré d'autres dimensions que simplement l'aspect mécanique du corps ou l'aspect chimique ou biochimique du corps. Dans les aspects pathologiques, hein, les limitations de cette couleur orange, donc je le rappelle, prédominante aujourd'hui, ben, on les connaît bien. On va trouver le scientisme, on va trouver le matérialisme, on va trouver le rejet du subjectif, on va trouver une apologie du travail, éventuellement l'épuisement par le travail, le consumérisme, la compétition, le spécisme, etc. Donc toutes ces formes-là, il y en a d'autres, mais on peut voir un petit peu comme les formes courantes de la pathologie du monde orange. Alors, ce monde orange, on le sait, il arrive à ses limites. Il a plutôt épuisé la planète. Alors, il a développé énormément de choses. Il a quand même fait une explosion démographique qui nous amène à pas mal de milliards d'êtres humains. Ça semble continuer. Mais en réaction à ça, justement, dans ces limites-là, eh bien, nous entrons dans la couleur suivante, qu'on appelle le vert, qui démarre il y a 150, 200 ans, et qui là va se trouver non plus au niveau du soi rationnel, mais du soi sensitif. Et on commence d'ailleurs à rentrer, à faire un pas, les premiers pas dans le transrationnel. On va y trouver les idées communautaristes, on va faire du développement personnel. On sait que tout ce qui touche au matérialisme du orange s'avère insuffisant, donc on va dans le développement personnel. On cherche à équilibrer ou à mettre en miroir finalement l'être et le faire, donc rendre congruentes les actions de l'être et du faire. On va trouver des gens très versés dans le développement personnel. On va trouver des gens qui estiment que l'intelligence émotionnelle doit prédominer sur la seule rationalité. On va d'ailleurs trouver justement un retour du féminin qui là veut s'imposer en tant que tel. Et je vous disais, on entre dans ce pré-rationnel, pas forcément encore complètement, avec souvent d'ailleurs une confusion pré-rationnelle et trans-rationnelle possible. Et puis, au milieu, avec les oranges d'avant qui, évidemment, continuent à faire cette erreur pré-trans, hein, pré-rationnelle, trans-rationnelle, dont je vous avais parlé dans un live précédent. Je peux dire quoi encore ? On va trouver dans les structures sociales toutes les idées de partage des ressources, les communs, les COP, hein, les coopératives, les écoles alternatives, tout ce qui tourne autour du développement personnel, bien entendu. Dans des formes sociales qui recherchent plutôt le consensus, qui s'inscrivent contre la compétition, il y a bien entendu une immense sensibilité à l'écologie. Au niveau spirituel, on voit un renouveau spirituel, ça veut dire souvent un rejet des religions, mais que l'orange avait déjà fait avec son matérialisme, et là plutôt le fait de réintroduire l'expérience spirituelle, mais plutôt dans le côté New Age. On va voir souvent, pas que ça. Il y a aussi un rejet du patriarcat. Alors, dans le corps là, va évoluer aussi, la relation au corps. On va voir qu'à chaque couleur, quand même, la relation au corps là, devient plus complète, plus riche. On le voit comme un espace sensoriel, sensitif, sacré. La subjectivité corporelle fait partie de soi. On va trouver la spiritualité dans le corps. Et puis, dans un petit peu des pathologies, peut-être un corps trop relâché, parfois un peu mou, mais on va trouver aussi une apologie de la santé. On va aussi voir souvent du masculin féminisé et vice-versa, du féminin masculinisé. Donc, ce qu'il y avait vraiment d'extrêmement opposé ou séparé, là, va peut-être commencer à se fondre dans un goulga pas forcément très très clair.
Alors, dans les pathologies du verre, il y a ce qu'on pourrait dire, appeler comme le relativisme. Ça veut dire la pensée verte voit un petit peu tout comme relatif. Finalement, tous les points de vue s'avèrent bons, ce qui peut amener à une forme de nihilisme aussi, puisqu'on renie finalement les hiérarchies passées, parce qu'effectivement, la plupart des hiérarchies de pensée ou les hiérarchies sociales s'avéraient patriarcales, donc on rejette un petit peu le bébé avec l'eau du bain. Et on fait en même temps une erreur par excès, parce qu'il y a des hiérarchies naturelles qui existent. Je vous avais notamment parlé des holarchies dans les fois précédentes. Eh bien, le verre peut avoir tendance à rejeter en fait des hiérarchies naturelles ou des hiérarchies utiles, factuelles, qui peuvent exister. On peut trouver aussi un déni de soi. Ça veut dire, j'ai vu souvent, par exemple, dans des pensées New Age ou dans de nouvelles formes de spiritualité, de dire, ah ben oui, tout arrive. Tout ce qui m'arrive, même les trucs les plus horribles, ça m'arrive pour une raison et ça va me faire grandir. Bon, donc là, on rentre dans une sorte de discours où en fait, non, ça ne va pas vous faire grandir, ça va vous faire super mal, mais on peut se convaincre d'eux. Je ne dis pas que les épreuves ne font pas grandir, attention, mais on peut trouver en tout cas des formes de déni de soi dans ce genre de choses, avec un manque d'authenticité. Et puis aussi beaucoup, ça on le voit dans les groupes, beaucoup, beaucoup de conversations, peu d'efficacité, consensus interminable. Jugement aussi sur les autres formes de conscience, voilà, qui font partie, on va dire, des limitations des pathologies du ver. Alors, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, là, jusqu'au ver, en spirale dynamique, ça fait partie de ce qu'on appelle le premier étage. Le premier étage, ça veut dire on a fait un petit peu une sorte de tour de la conscience, on vient un petit peu à un point de départ, mais un point plus haut. Premier étage, pourquoi? Parce que ce qui le caractérise tient au fait que chacune des couleurs que je vous ai évoquées détestent cordialement les autres. Elles ne se comprennent pas, elles se combattent. Par exemple, le cas typique qu'on voit aujourd'hui, les oranges et les verts, hein, donc les oranges, le soi rationnel, la société consumériste, mais l'efficacité opérationnelle. Donc le orange va voir les verts comme des gens, ouais, New Age, ils font du développement personnel, mais ils aboutissent à rien, ils blablabla, ils parlent, ils font leurs meetings, ils veulent faire leurs éco-villages et tout ça, mais ça traîne et moi, depuis longtemps, j'aurais fait les choses, etc. Et ils n'ont pas forcément tort. D'un autre côté, les verts disent, ah, mais, les oranges, mais quelle bande de fachos, le masculin exacerbé, il n'y a pas la reconnaissance de l'intelligence émotionnelle, on ne pense que efficacité, consumérisme, regardez la pollution du monde, tout ça, on le doit aux oranges finalement. Voilà, par exemple, des zones de friction où ces espaces de conscience ne se comprennent pas. On peut aussi voir le conflit qu'il y a entre le bleu et l'orange, donc le bleu des sociétés théocratiques, qui vont voir les oranges comme des dévoyés, des gens qui ne respectent pas Dieu, le divin, la parole de l'Évangile, du Coran, de la Torah, you name it, hein. Et donc de gens qui se dévoient complètement, qui négligent complètement l'ordre cosmique et qui ne pensent qu'à eux dans une forme d'individualisme. D'un autre côté, les oranges regardent les bleus comme effectivement des fondamentalistes, des fascistes, des gens qui renient la liberté individuelle et qui font donc des états théocratiques absolument terrifiants. Donc voilà un petit peu aussi comment les bleus et les oranges se regardent. Et je le rappelle, hein, on a bien ce mouvement de balancier entre individualisme et collectivisme. Donc bleu collectivisme, orange individualisme, vert collectivisme de nouveau. Et puis bien sûr, les rouges détestent les bleus. Hein, les rouges, donc les gangs, les combats de tribalisme ou les combats ethniques, on va dire, les chefs de guerre par exemple. Là, il y a un sacré désordre social, toujours en guerre. Et bien sûr, détestent les bleus qui, parce que ben, souvent, il y a un chef de guerre qui arrive et qui devient un empereur, qui devient un roi qui a un petit peu maîtrisé tout ce petit monde-là pour faire un ordre théocratique après toutes ces guerres-là. Donc on voit aussi les notions de conflit. Alors je vous disais, donc jusque au vert, on arrive à la fin de ce premier étage. On entre dans le deuxième étage, quand on continue à évoluer, pour entrer dans le jaune. Alors le jaune, je vais encore donner des dates, ça commence à apparaître, j'entends au niveau sociétal, hein, il y a 60 ans, 50, 60 ans. On va le qualifier autour du soi intégral. Ça veut dire le soi complet, total, qui sait par expérience que manifester pleinement son être, en même temps, ça sert le monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition entre ce que l'on devient, si l'on va vers son authenticité, sa plénitude, et ça va forcément en même temps servir le monde. Alors, le jaune, une personne dans le jaune, elle voit la réalité
comme une holarchie, justement, non plus simplement comme des hiérarchies où il doit y avoir des castes sociales, mais vraiment comme une holarchie. Ça veut dire l'émergence, hein, les principes d'émergence, comme je vous en ai parlé dans les fois précédentes. Il y a aussi naturellement une pensée systémique, non linéaire, complexe, qui se développe. Il y a un transrationnel tout à fait intégré. Je vous disais, le vert commence à entrer dans le transrationnel, le jaune, lui, vit l'expérience du transrationnel, ça fait partie, ça constitue sa base à partir de laquelle il transcende et inclut le rationnel et le pré-rationnel. Une personne dans le jaune fait aussi l'expérience quotidienne des synchronicités. Ça veut dire, cesse de voir le monde simplement comme des causes et des effets, donc une vision assez mécaniste, mais voit les synchronicités, ça veut dire des événements synchrones liés les uns les autres par le sens, mais pas nécessairement par une cause et un effet l'un par rapport à l'autre. Il y a aussi l'expérience de la richesse intégrale, hein, je mets mes mots là-dessus, mais la notion de richesse ne passe plus par un enrichissement matériel qu'on va trouver par exemple dans le orange, ou par un enrichissement uniquement humain qu'on va trouver en rejet du orange, mais qu'on va trouver dans le vert. Là, il y a la notion de richesse intégrale, ça veut dire la richesse se trouve autant dans le développement personnel que dans les choses matérielles autour, et tout fonctionne ensemble. Il y a un lien systémique dans tout ça. Le jaune aussi se trouve à l'aise dans le chaos, dans l'incertitude. Il n'y a pas besoin de figer les choses. Il y a une conscience profonde de l'impermanence, des transformations qui se font. Et tout ça dans une expérience d'un soi aligné. Ce soi aligné procure un leadership, mais un leadership bénéfique pour les autres. Il n'y a pas une opposition entre soi et les autres. Il y a soi avec les autres. Ce qu'on pourrait appeler un processus d'individuation très fort versus l'individualisme. Si je caricature, l'individualisme, on pourrait dire, ça, on peut le voir comme soi contre les autres ou en dépit des autres. L'individuation, ça veut dire soi avec les autres, parce qu'on ne fait pas soi sans les autres. Au niveau du corps, on va trouver là une grande plasticité, un corps assez caméléon, justement, dans cette plasticité, ça veut dire capable de s'adapter, de vivre dans des tas de conditions différentes. On rencontre aussi, plus que commencer, on rencontre l'androgynie, ça veut dire le mariage intérieur du masculin et du féminin. On va trouver des corps structurés, toniques, spiritualisés en même temps. Ensuite, en pathologie, eh bien, on va trouver des choses comme l'angoisse existentielle, la possibilité, une certaine solitude aussi, la possibilité de rebasculer ou de basculer à tout moment vers un ego spirituel. Ça veut dire, au nom de sa mission sacrée, on peut peut-être avoir tendance à la projeter sur les autres ou à la mettre trop en avant. Donc des déséquilibres qui peuvent s'installer et qui obligent à des réajustements et parfois des retours de manivelle qui peuvent s'avérer assez sévères pour une personne dans le jaune. Quand je vous parle de pathologie, ça ne veut pas dire que ça arrive systématiquement. Ça veut dire que ça peut arriver. Le type de pathologie qu'on va trouver dans une couleur peut arriver. Ensuite, on entre dans le turquoise. Donc sphère encore plus grande. Turquoise, on l'estime à 30-40 ans. Quand on commence à la voir, et là, on parle non plus simplement du soi intégral, mais du soi holistique. Ça veut dire où on fait cette expérience que la conscience et l'esprit guident et construisent les formes, construisent la vie manifestée. On a une vie cosmocentrée, si je me réfère à une carte précédente. L'âme ou l'essence, on l'appelle comme on veut, donne, manifeste la forme. On a une conscience cosmique. On a aussi cette expérience du non-local, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de construire des actions de cause et d'effet. La posture intérieure, on fait l'expérience que de toute façon, elle va générer et changer l'ordre du monde. De toute façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça fait partie de l'expérience. Donc on sort définitivement de la simple expérience des causes et des effets. On fait aussi l'expérience de l'énergie, ça veut dire le flux vital, on peut l'appeler le chi, le prana. Le souffle sacré dans les religions, le Saint-Esprit, il y a des tas de façons de le nommer, mais ça devient véritablement une expérience installée, quotidienne. Au niveau du corps, le corps aussi, on le vit comme un espace de flux, un locus, un lieu de conscience qui se concentre, une conscience multiforme qui peut changer, et puis qui a aussi accès à d'autres formes d'intelligence non mentale, mais où des insights, des sagesses, des connaissances peuvent arriver comme ça et on ne sait pas trop comment. Au niveau de la pathologie, on n'a pas beaucoup d'expérience évidemment sur le turquoise, mais on pourrait parler peut-être
la perdition de l'âme, de quelque chose qui se produit où il y a à la fois une absolue solitude et une absolue connexion au divin. Donc, ça peut se jouer dans des alternances comme ça, un petit peu des mouvements de balancier. Alors, je vous parlais de ce deuxième étage, du jaune et du turquoise, parce que la caractéristique de ce deuxième étage tient au fait que lui transcende et inclut toutes les couleurs précédentes. Ça veut dire une personne dans le jaune ou dans le turquoise peut parfaitement comprendre, s'adapter à une personne orange ou une personne dans le rouge ou à une personne dans le vert ou dans le bleu. Elle comprend parce qu'elle a pu reconnecter à tous ces mécanismes qui, de toute façon, continuent d'exister dans sa conscience. Et il y a donc une capacité, une plasticité qui rend possible la relation avec des gens dans l'ensemble des autres couleurs. Et ça s'avère très important parce que lorsque des gens, des personnes, voire des collectifs entrent dans ces couleurs-là, évidemment, la relation avec le reste de la société change complètement. Dans ce deuxième étage aussi, il y a une sortie très nette des rejets, ça veut dire des limites mentales qui fondent des choses comme le racisme, ou le sexisme, ou l'homophobie, ou l'utilitarisme. Par exemple, l'utilitarisme, ça veut dire lorsque l'on va définir la valeur d'une personne ou d'un être en fonction de son utilité. Ou bien le capacitisme, ça veut dire, oui, on dit capacitisme, ça veut dire lorsqu'on va juger la valeur d'une personne ou d'un être en fonction de ses capacités. Évidemment, toujours arbitraire. On va définir, par exemple, les capacités mentales humaines comme justifiant le suprémacisme humain sur les animaux, alors que les animaux, les oiseaux savent mieux voler que nous, les poissons savent mieux nager que nous, mais on ne va pas prendre ces caractéristiques-là. On va prendre celles qui nous avantagent, hein, dans ce qu'on appelle le capacitisme, pour légitimer une domination sur une autre partie du vivant. Eh bien, ces rejets-là, ils disparaissent, en fait, dans la conscience des gens qui rentrent donc dans ce deuxième étage. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. J'ai fait une description là assez rapide, un tour d'horizon un petit peu Formule 1 pour parler de ces différents cercles concentriques, mais qui, je pense que vous en doutez, vont nous donner des outils beaucoup plus discriminants, beaucoup plus fins, pour caractériser non seulement les personnes, mais je dirais plus encore que les personnes, surtout parce que si on caractérise les personnes, ça devient très vite du jugement. J'ai vu souvent des gens dire « Ah ouais, un tel, il fonctionne complètement dans le vert ou dans le orange ou dans le rouge ou dans le bleu. » Donc, une façon de rejeter sur l'autre des limitations d'ailleurs qu'on peut avoir et donc de qualifier ou de mettre en place des formes de ségrégation. D'ailleurs, Ken Wilber parle souvent du « mean green meme ». Ça veut dire des gens dans le vert, souvent, puisqu'il y en a beaucoup, qui vont justement voir de l'ego partout, voir du selfishness, de l'égoïsme partout, sans se douter qu'en le faisant, par les mécanismes de rejet, ils s'appliquent exactement les limitations de l'ego qu'ils peuvent vivre dans la pathologie de cette couleur. Donc, je fais quand même assez attention quand je parle des cartes de la conscience en général, ça, je fais vraiment une mise en garde, et en particulier la spirale dynamique, parce que autant une carte représente un outil de navigation vraiment intéressant, mais autant ça peut aussi servir de mode de ségrégation ou pour qualifier les gens, voire minimiser leurs capacités. Je répète, j'ajoute aussi qu'il ne faut pas simplement voir les individus dans une seule couleur de manière monolithique. Il y a des lignes de développement. Tout comme les cartes précédentes dont je vous avais parlé, on peut avoir une personne qui opère, par exemple, dans le vert intellectuellement et dans le rouge émotionnellement. Ça peut arriver. Donc, grosso modo, on va trouver un centre de gravité d'une conscience individuelle à peu près ancrée dans une couleur. Mais ça peut déjà changer dans sa vie et puis ça peut varier suivant les circonstances, suivant le type du « je » qui se trouve sollicité à un moment ou à un autre. On peut voir aussi des gens qui peuvent soit avancer vers une nouvelle couleur, par exemple une personne qui a vu ses limites dans le orange, une personne par exemple qui a travaillé, elle fait un burn-out, crise de la cinquantaine, le crédit, le boulot, le monde orange tel qu'on le connaît, et puis elle va passer dans du développement personnel et aller dans le vert. Mais on peut aussi trouver des gens qui vont régresser, par exemple, du orange repasser dans le bleu. Ça veut dire qu'ils vivent une telle crise que trouver un canevas religieux, un ordre théologique qui va les contenir, qui va donner par l'extérieur un sens à leur vie, ça peut tout à fait aussi arriver. Mais ce qui m'intéresse plus encore dans la spirale dynamique se trouve dans le regard sur les sociétés. Ça me semble vraiment beaucoup plus puissant. Par exemple,
Si on prend le printemps, les printemps arabes qui ont eu lieu, on avait typiquement, et qu'on parle des pays nord-africains ou du Moyen-Orient, on avait typiquement, on va dire, des théocraties quand même, orientées autour d'un ordre religieux, mais maintenues par une élite elle-même dans le haut rang. Ça veut dire businessman, on envoie donc des gens dans les affaires, plutôt internationaux, qui envoient leur jeunesse faire leurs études dans des grandes universités, etc. Et puis une population elle-même plutôt maintenue dans des ordres religieux assez stricts, des visions du monde en tout cas qu'il fallait surtout pas questionner. Alors, une révolution a lieu. Du point de vue du monde occidental, dans sa vision orange, elle s'est dit, ah, chic, les démocraties vont arriver. Eh bien non, il y a une déconstruction du bleu, une déliquescence du orange, les élites se font soit massacrer, soit elles fichent le camp à l'étranger, ou elles se font enfermer. Il y a une recrudescence d'un ordre du bleu, mais aussi ça se délite, ça se décompose, et on va retrouver des chefs de guerre. Ça veut dire le rouge, ce qu'il y avait avant. Donc il y avait une dominance du bleu, le bleu s'effondre, hop, on retrouve les holons d'avant, ça veut dire les chefs de guerre. Et donc on avait un modèle prévisionnel, prédictif finalement, de se dire, bah tiens, dans des sociétés à dominance bleue, si elles s'effondrent, elles vont revenir à l'ordre d'avant. Pareil, si une société orange s'effondre, comme par exemple les sociétés aujourd'hui, les sociétés occidentales, alors dont une partie de la population vit quand même déjà dans le vert, mais s'il y a un effondrement de la couleur majoritaire, on peut revenir justement vers des fondamentalismes, ce que les extrémismes vont apporter par des idéologies fascistes ou faire revenir des idéologies religieuses anciennes, mais en tout cas imposer des ordres par rapport à ça. On peut aussi avoir un chaos encore plus grand et même régresser de deux couleurs et revenir dans le rouge. Donc on le voit à chaque fois qu'il y a une limite atteinte, soit au niveau individuel et encore plus au niveau collectif, on peut soit régresser, la tentation de régresser dans les étages inférieurs de la conscience, et ça arrive, ou bien voir aussi un saut évolutionnaire se faire dans une sphère de conscience un petit peu plus grande. Alors je finirai sur cette question. On voit dans certaines sociétés occidentales, et je le vois, je vous livre là une analyse personnelle, hein, sur la France notamment. On voit justement cette couleur orange, de toute façon, qui entre en complète déliquescence et qui se cherche pour faire société dans le vert. Alors, vert, ce n'est pas dire écologique dans le cadre de la spirale dynamique, mais en tout cas, on va trouver dans la pensée écologique beaucoup plus de gens dans le vert et des formes d'organisation qui vont de toute façon beaucoup plus chercher le consensus, chercher le développement personnel, chercher le communautarisme que l'on avait dans le orange. Donc ça constitue, on va dire, une percée évolutionnaire sociétale. Mais sans oublier que tant qu'on restera dans le premier étage, il y aura une guerre, un rejet entre les différentes couleurs. Mais on voit aussi en France toutes les tentations de repli identitaire, d'extrémisme qui peuvent se faire, et on voit bien justement cette lutte entre un processus soit d'évolution, soit de régression qui peut se faire. Voilà, j'ai pas mal parlé parce qu'il s'agissait de quelque chose quand même de plus complexe que les autres fois. Mais maintenant, je nous invite les uns les autres, si vous voulez donc parler, poser une question, je vous en prie, et je vous écoute. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, je me lance. Bonsoir Oui, Jean-François. Thierry. Bonsoir Toujours Thierry. avec plaisir pour t'écouter. Du coup, j'ai une question sur est-ce qu'au final tout le monde va évoluer, évoluer, évoluer? Ou est-ce qu'il y a une sorte d'alchimie dans un grand corps qui serait le corps de l'humanité, finalement, il y a une répartition de toutes ces couleurs en même temps à avoir, qu'on peut imaginer en tout cas comme étant une forme d'équilibre aussi Alors, je dirais que tout collectif suffisamment grand va toujours rencontrer une diversité de personnes. On le voit aussi dans le monde de l'entreprise. Je trouve ça d'ailleurs passionnant de voir lorsqu'on construit un collectif, qu'on pense construire je sais pas, un éco-village ou bien monter une entreprise, dès lors qu'il va y avoir suffisamment de personnes, l'homogénéité tend à augmenter. Et on va voir vraiment des gens dont le centre de gravité se situe plus dans une couleur que d'une autre. Et ça pose évidemment une vraie question parce que, par exemple, des gens dans le orange peuvent vraiment faire un rejet de gens dans le vert ou de gens dans le bleu, et vice-versa. Donc, il y a une cohabitation assez difficile. Néanmoins, si par exemple on pense une entreprise ou des gens qui veulent construire un projet ensemble ou un éco-village, par exemple, comme on voit des communautés le faire, cette communauté-là va elle-même avoir son centre de gravité, ça veut dire lié, on va dire,
souvent une majorité de gens dans une couleur donnée, et donc les codes sociaux de cette majorité de gens vont en général prédominer. Maintenant, on peut avoir par exemple, je le vois très souvent, des collectifs complètement dans le vert, souvent par exemple dans les projets d'éco-village, et qui vivent dans une société orange. Et là, on voit évidemment des zones de friction, parce que la société orange va mettre ses lois contre ça, va dire oui, très bien, mais non, etc. etc. Mais on ne peut pas voir tout ça d'un bloc. Ça se situe vraiment, ça fonctionne vraiment de manière organique. Ça veut dire des poches comme ça de conscience qui se font et qui vont comme ça émerger, mais le processus évolutionnaire se fait suivant cette même métaphore de ce qu'on appelle justement la chenille et le papillon avec ce qu'on appelle les cellules imaginales. Les cellules imaginales, en fait, lorsqu'une chenille se transforme en papillon, il y a un autre corps en fait, qui pousse dans l'ancien. Et au départ, les anticorps de la chenille essayent de tuer ces cellules imaginales, donc du papillon, vraiment par un mécanisme de rejet. Sauf qu'elles continuent à apparaître ici et là, et non seulement à apparaître, mais à se relier, à faire réseau entre elles. Et à un moment, il y a une bascule qui se fait. Donc on se trouve vraiment dans les systèmes complexes. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir quand, mais on voit très clairement que la conscience verte, par exemple, devient aujourd'hui ultra connectée. Et justement, on l'a vu aussi aux élections, par exemple, évidemment, les écologistes ont fait hier un score historique, et on voit que justement, il y a une immense conscience verte qui devient, quelque part, plus agile de manière technique, et donc qui peut faire des effets de bascule, avec aussi des flux et des reflux qui peuvent se mettre en place. Voilà. Donc tout ne se fait pas comme ça d'un seul bloc, ça se fait vraiment par des mécanismes d'émergence, de reliance en réseau, et des points de bascule qu'on trouve dans tous les systèmes complexes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à pouvoir prévoir, et on le voit dans des révolutions culturelles qui ont pu arriver dans le passé, que personne n'attendait. Par exemple, l'arrivée de la Renaissance, donc le passage vraiment d'ordre essentiellement théocratique et bleu, vers où on commence à rentrer dans le orange, et ça va très très vite. Voilà donc comment je peux décrire ces choses-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bonjour Catherine. Oui, bonsoir Catherine. Bon. Après la couleur turquoise, que peut-on imaginer? Alors, il y en a qui parlent de la couleur violette, mais très très peu documentée. Je préfère ne pas en parler parce que ça reste plus de l'ordre de la supputation que d'une véritable mesure sociologique. Toutes les couleurs dont j'ai parlé, on a derrière du travail en sociologie, de fait. Alors, quand on parle de la couleur violette, là, on parle vraiment de ce qu'on pourrait appeler d'être totalement transcendant. On peut parler d'être complètement cosmique. Peut-être les religions parleraient de Messie ou de choses comme ça. Voilà. Donc, je préfère pas trop en parler parce que là, on rentre beaucoup plus... Alors, on a le droit d'avoir évidemment des expériences personnelles de ça, et on peut en discuter en tant qu'expérience personnelle. Mais là, puisque j'essaie de parler de cartes, il s'agit de cartes donc construites sur des méthodos de mesure ou d'études de comportement. Ce que je n'ai pas dit, et ta question me permet de préciser aussi quelque chose, de tout temps quasiment, il y a eu toutes les couleurs. On parle simplement de proportions. Certainement, il y a 50 000 ans, il y avait déjà des êtres qui faisaient l'expérience du deuxième étage, mais qui se trouvait extrêmement éparpillé et tout à fait exceptionnel dans des sociétés encore essentiellement dans le violet ou dans le rouge. Donc on va trouver à toute époque ces différentes couleurs. Mais quand je parle de l'apparition en fait de certaines couleurs, déjà je le répète, il s'agit d'estimation et le moment où ça devient, on va dire, quelque chose de suffisamment observable dans une société. Maintenant, il y a aussi d'autres passages, ça veut dire le moment où ces couleurs deviennent collectives, ça veut dire se socialisent. Avant, il y avait des individus qui pouvaient faire dans leur intériorité une expérience donnée, mais ça ne se construisait pas en forme d'organisation, même des organisations marginales. Alors sur le turquoise dont j'ai parlé, ça reste encore une expérience quand même individuelle et pas socialisée. Ça veut dire les gens qui font cette expérience, ils la vivent de façon seule, il n'y a pas encore d'organisation sociétale à ce niveau-là. Sur le jaune, on va quand même le voir beaucoup plus. Ça veut dire qu'on va voir des gens, j'aime bien ce terme aussi qu'on emploie un petit peu dans mes cercles de recherche, qu'on parle de coherence holders, ça veut dire de gens qui maintiennent par leur être une sorte de cohérence sociale. Il y a quelque chose qui se cristallise autour d'eux. Ils ne donnent pas des ordres, ils n'ont pas une posture de gourou vis-à-vis des autres, ils ne font qu'exister en tant que tel, mais ils ont un véritable leadership. Et finalement,
du fait qu'ils s'engagent dans la société humaine, dans ce qu'ils font, ils peuvent entreprendre, ils peuvent avoir des rôles artistiques, ils peuvent avoir une visibilité, une forme de célébrité ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais il y a déjà quand même des formes de maillage qu'on peut observer entre ces différentes personnes. Voilà ce que je peux dire. Donc, je préfère pas aller plus loin pour l'instant que ça. Je pense que déjà avec le turquoise, on va déjà très loin. Merci Catherine. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour, merci de tout ça. Je voulais faire un lien avec toutes les précédentes vidéos que tu nous as partagées. Merci beaucoup. Pour essayer d'imaginer ce mouvement blockchain. Par quel niveau en fait il peut être abordé, parce que à chaque niveau il y a une nouvelle complexité à embrasser, et souvent parce que ça fait un moment que j'avais croisé tout le travail que tu fais avec d'autres personnes, et je m'étais dit waouh, ok, mais quand est-ce qu'on va avoir suffisamment de personnes à un niveau de conscience suffisant pour embrasser ces choses qui me paraissent beaucoup plus complexes, même si et d'ailleurs bravo d'essayer de le rendre un peu plus intelligible. D'ailleurs, j'y arrive un peu mieux. J'ai dû évoluer. Super question, Jérôme. Merci. Alors, on a par exemple un précédent. Si on pense à l'écriture, l'écriture, toutes les couleurs peuvent l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, elle arrive historiquement au moment du bleu. Ça veut dire que grâce à l'écriture, le bleu a pu exister. Le bleu n'aurait pas pu exister sans l'écriture. Le rouge n'avait pas besoin de l'écriture auparavant. On se trouve dans les traditions orales, puisqu'on se trouve dans des modes plutôt tribaux. Et puis arrive une invention extraordinaire qui s'appelle l'écriture, et on passe dans les civilisations, l'intelligence collective pyramidale, etc. Et puis on voit toutes les couleurs qui suivent peuvent l'utiliser. Donc une conscience peut utiliser à sa façon une certaine technologie. Donc, la conscience bleue va utiliser certainement l'écriture d'une façon très différente, par exemple les écritures saintes, les tables de la loi, etc., que la conscience orange. Et là, elle va développer beaucoup plus de choses avec l'écriture, qui elle-même va l'utiliser de façon différente que la conscience verte, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit peu une question de poulet d'œuf. Ça veut dire que, déjà, sur une technique de composabilité, l'alphabet, les phonèmes, tout ça, ça permet de composer des réalités. Une conscience donnée va les utiliser à sa façon. Et puis, on peut poser intervertir la question et se dire, en fait, se la poser autrement, se dire, mais finalement, une nouvelle technologie ne va-t-elle pas plutôt déclencher ou favoriser l'émergence d'une conscience ? Donc, on peut peut-être moins se poser la question de se dire, quand y aura-t-il une conscience suffisamment haute pour bien utiliser HoloChain ? Mais de se dire plutôt que HoloChain, comme l'alphabet, enfin l'écriture à son époque, HoloChain représente une nouvelle forme d'écriture, en fait un langage des flux, un langage dynamique des flux, qui va favoriser certainement l'émergence d'une conscience et d'une société, certainement beaucoup plus dans le jaune en fait. D'abord dans le vert, mais très, très certainement dans le jaune. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on se met à créer des applications distribuées et avec donc des agents distribués dans le système, ça veut dire des individuations. Donc des gens totalement dans leur être et dans leur leadership, qui apprennent à faire société ensemble. Et à partir du moment où on décide que l'individuation s'avère quelque chose d'important, que le monde a besoin de gens individués, autonomes, capables de réfléchir à la fois dans leur être et à la fois dans le collectif, ça veut dire, techniquement parlant, on a besoin de gens dans le jaune. Mais une fois qu'on a déclaré ça, comment, quelles infrastructures on va avoir pour favoriser ce genre de choses ? La démocratie participative, les parlements, les démocraties, les constitutions, toutes ces choses-là appartiennent beaucoup plus au monde orange, mais ne favorisent pas, ne permettent pas l'émergence d'une société dans le jaune, beaucoup plus complexe et avec des boucles de rétroaction dans les mécanismes de prise de décision, dans aussi le regard du monde, qui vont pas marcher dans une société, dans les infrastructures d'une société orange. Donc, des technologies comme HoloChain et tout ce qui arrive avec. On connaît bien HoloChain et il y a plein de choses qui se préparent, certainement plein de choses dont je n'ai pas encore conscience aujourd'hui, mais on voit que leur point commun, elle nous amène à un nouveau niveau de composabilité, ça veut dire de fabriquer un nouveau niveau de complexité fondé sur des grandes individuations. Parce qu'une fois qu'on a posé l'individuation, ben bonjour, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de hiérarchie, parce que les gens individués, ils n'aiment pas fonctionner dans les hiérarchies et dans les castes,
On ne peut plus faire de chaîne de commandement. Donc, ça doit fonctionner sur des mécanismes de accountability, hein, donc de responsabilité sociale et de prise de décision sur des sociétés beaucoup plus complexes et beaucoup moins normées que ce que l'intelligence collective pyramidale, le bleu, le orange et le vert ont fait. Voilà. Donc, j'ai plus, ça touche à tout ce dont je parle dans mes recherches et je ferai aussi des lives évolutionnaires sur ces sujets-là, notamment les architectures invisibles, à savoir justement lorsque l'on design certains codes sociaux, des façons de manger, des façons de parler, des structures de langage ou des technologies, ça peut favoriser l'émergence d'une conscience soit moins évoluée, soit plus évoluée. Et ça va favoriser, ça va catalyser ces choses-là. Et ça touche à tout le cœur de mes travaux et tant d'autres, bien sûr, de faire vraiment du design pour de l'émergence. Donc, plutôt que de rester dans la dialectique, tiens, le monde, dans son paradigme orange-vert actuel, voit tout comme des problématiques à résoudre, on ne voit plus le monde que comme des problèmes à résoudre, eh bien, et on ne trouvera pas, parce que dans ce paradigme-là, on n'y arrivera pas. On peut se concentrer aussi, pas où, mais aussi sur des conditions d'émergence, et notamment par du design technologique, ce que fait Holochain actuellement. Ça éclaire ta question ? Super. Merci, Jérôme, pour cette super question. Oui, coucou Jean-François. Ça va ? Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la société mondiale ? Moi, ce que je ressens, c'est que la majorité est orange. Ensuite, il y a du bleu, il y a pas mal de bleu. Et en troisième niveau, du vert et du jaune après. Comment toi, tu le sens ça ? Au niveau mondial, des sociétés au niveau mondial. Donc, beaucoup d'orange, après le bleu, après un peu de vert et le jaune. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par après. Ça veut dire quoi après pour toi ? Je ne comprends pas la hiérarchie dont tu parles ou le séquencement dont tu parles. Alors, en fait, c'est au niveau... la majorité des gens fonctionne. C'est-à-dire la majorité de la société mondiale fonctionne en orange. D'accord. Il y a aussi du bleu, pas mal, un peu moins de vert et beaucoup moins de jaune. Voilà. D'accord, je comprends mieux ta question. Mais c'était juste pour savoir comment toi tu le sens. Oui. Ben, il s'agit moins en fait de comment je le sens qu'en fait on a des mesures là-dessus, tout simplement, ou des estimations, évidemment. Parce que lorsqu'on fait des mesures de système de valeurs dans une société donnée, on va trouver des proportions, des pourcentages de population. Donc effectivement, aujourd'hui, nous vivons dans une société mondiale majoritairement orange, il n'y a aucun doute là-dessus. On va trouver certaines zones complètement théocratiques, donc plutôt dans le bleu. On va trouver certaines zones aussi complètement dans le rouge, souvent donc des zones de guerre ou des zones de chefs de guerre, etc. Mais ça reste quand même majoritairement orange. Et puis, de plus en plus, on voit effectivement une partie de la société humaine. Alors, ça dépend des zones. Mais par exemple, dans le monde occidental, donc j'entends en particulier le continent américain, nord et sud, et puis l'Europe, on voit effectivement une très grosse percée du vert qui se fait. Ça veut dire donc de gens qui vont dans le développement personnel. Souvent, lorsque je communique avec des gens du monde asiatique en général, je vois beaucoup plus des gens à fond dans l'orange, donc dans une société extrêmement matérialiste, très pyramidale aussi également. Alors, pas au sens théocratique du terme, mais très, très matérialiste. Et qui doit passer par cette phase du orange, qui restera peut-être moins longtemps que l'Occident, mais qui va passer par ces phases-là. Sur le jaune, on se trouve dans des pourcentages de l'ordre de 1 à 2% de la population. Et alors, en plus, après, il y a des nuances aussi dans chaque couleur, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, sur le bleu, là, on se trouve dans quelque chose, on se trouve là dans quelque chose d'absolument infinitésimal. On parle de peut-être une personne ou deux personnes sur 1000. Et encore, je veux dire, ça reste très, très difficile à mesurer. Donc, tu as raison, en tout cas, instinctivement, dans ces proportions. Merci de m'aider à clarifier ça. Ah, je peux te poser une autre question ? Oui. C'est juste pour savoir... Vu que les oranges et les verts sont un peu en opposition, est-ce que toi, tu aurais une idée de comment on pourrait les unir ? Ben,
on ne peut pas faire ça par le haut. Je pense que personne n'a le pouvoir par le haut avec une baguette magique de dire « Hey, les amis, on va vous unir ». Le conflit fait aussi partie du processus évolutionnaire. Il n'y a pas forcément à le voir de manière négative. Donc, factuellement, ces couleurs ne se comprennent pas, voire se détestent, mais aussi en même temps, j'aurais dû le préciser, elles ont aussi un petit peu une relation comme de génération à génération. En même temps, le orange, aujourd'hui, ne peut plus fonctionner sur lui-même, en lui-même. Il a besoin de ce processus évolutionnaire. Donc, on voit bien l'apparition, je veux dire, le besoin aussi qu'il y a d'avoir des gens dans le vert qui vont faire du développement personnel, qui vont intégrer les valeurs du féminin dans la société, etc. Donc, il y a un peu cette relation d'amour-haine qui se voit. Donc, je ne sens pas particulièrement la nécessité de dire qu'il faut réconcilier tout ce petit monde-là. Les passages de turbulences et de conflits entre les zones de conscience se jouent aussi en nous. Lorsque soi-même, si on a cheminé d'une couleur à l'autre, on passe par des formes chaotiques et parfois où une partie de soi-même peut rejeter l'autre partie de soi-même. Ça fait aussi partie du processus jusqu'à ce qu'individuellement, notre conscience se mette à intégrer pleinement, à transcender et inclure et à aimer les formes de conscience passées qui existent toujours et à savoir vraiment les écouter, les identifier lorsqu'elles ont besoin d'exprimer quelque chose. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier à faire ou de jugement à avoir sur ces formes de friction, de conflit, de relations d'amour-haine qui peuvent exister. Elles font partie du monde et à nous de fonctionner avec. Oui, bonsoir Jean-François. Bonsoir. Oui, j'ai une question. Je suis arrivé un peu tardivement, donc tu en as déjà peut-être parlé ou tu as déjà évoqué cela. La question que je me posais en t'écoutant là, c'est par rapport aux travaux de Ken Wilber, tu te situes comment ? Alors, comme je l'ai dit dans mon précédent live et dans celui-là, les travaux de Ken Wilber m'ont énormément inspiré. Donc, j'en ai intégré une grande partie. Après, j'ai aussi une critique d'une partie des travaux. Par exemple, dans ces quatre cadrans, il va mettre comme nouveaux holons des villes, des nations, des transnations en quelque sorte, et il les voit comme des nouveaux holons. Moi, je ne les vois pas du tout comme des nouveaux holons. Je ne pense pas, par exemple, qu'une nation transcende et inclut l'individu. Je pense plutôt qu'il s'agit d'agrégats transitoires mais qui ne représentent pas encore des nouveaux holons. Une intelligence collective originelle, par exemple, effectivement, une tribu, un village, oui, là, ou une équipe de sport, ça transcende et ça inclut littéralement l'individu. Je ne pense pas qu'une nation ou une ville le fasse, même si on a des mécanismes identitaires, des mécanismes culturels qui nous unissent, mais qui ne représentent pas des holons. J'ai d'autres critiques à faire sur les quatre cadrans, mais ça, je les aborderai dans d'autres lives évolutionnaires. Mais fondamentalement, je trouve les travaux de Ken Wilber absolument extraordinaires. Et pour celles et ceux qui se sentent à l'aise avec l'anglais et prêts à absorber un ouvrage magistral, un gros pavé mais essentiel, je vous conseille de lire son œuvre magistrale, à savoir Sex, Ecology, Spirituality de Ken Wilber. Ça répond à ta question ? Tout à fait, oui, merci. Avec plaisir. Bonsoir, Jean-François. Tu parles donc de turquoise comme étant quelque chose d'extrêmement minoritaire. Oui. Et tu parlais des écovillages comme étant plutôt dans les couleurs vertes. Oui. Est-ce que tu penses que c'est possible de... Enfin, est-ce qu'il existe selon toi cette forme de volonté de vivre dans la nature et de retrouver peut-être... une espèce d'osmose avec la nature tout en étant dans le turquoise. Alors déjà, merci de ta question parce que elle m'invite aussi à dire attention, il ne faut pas caricaturer. Parfois, je dis des choses parce qu'il faut aller vite, mais je ne veux pas dire que tous les gens qui font des écovillages se trouvent dans le vert, bien entendu. Il y a beaucoup plus de subtilité que ça, il y a beaucoup plus de transition que ça, etc. Ce que je constate, en tout cas, si on prend l'exemple des écovillages, on peut voir des gens qui individuellement, peuvent avoir des consciences ou des expériences ou des états de conscience transitoires dans le jaune et dans le turquoise, par exemple. Je le vois, par exemple, à Auroville, que je connais bien en Inde. Je rencontre des gens qui ont un niveau de développement personnel, souvent vraiment élevé, très avancé. Mais on fait aussi le constat que souvent, donc les gens peuvent avoir un stade personnel plus avancé, mais le collectif qu'ils vont faire va rester dans la couleur d'avant.
normal finalement, puisque avant que le collectif passe dans la nouvelle couleur, il faut déjà que les individus aient cheminé et qu'il y en ait suffisamment pour qu'ils commencent à trouver des formes d'organisation, qu'ils reconnaissent mutuellement le type de conscience dans lequel ils ont pu cheminer et qu'ils fassent société avec. Ça veut dire qu'ils se questionnent, se dire mais comment on va maintenant faire nos règles du jeu, nos infrastructures, nos technologies, le vivre ensemble, etc. Donc le vivre ensemble, quelque part, vient après le cheminement individuel. Donc, ça m'aide à préciser ta question, le fait que, effectivement, je vois souvent des gens tenter de construire des éco-communautés, des éco-villages, où le collectif va se trouver dans cette friction entre le orange et le vert. Le orange, pourquoi ? Parce que, de toute façon, il faut le faire dans le système de loi, dans les systèmes sociétaux, de l'argent, du marché, de l'économie d'extraction existante et dominante. Il faut constituer ces éco-villages dans ces modèles-là, et ça s'avère très difficile, parce que, quelque part, cet orange, il injecte de l'ADN dans les formes sociétales qui se veulent vertes. Et puis, les personnes individuellement peuvent elles-mêmes avoir une variété de conscience, dont, dans le deuxième étage, à savoir le jaune et le turquoise, pour certaines. Donc, voilà le constat que je fais. Peut-il y avoir maintenant des communautés, alors je dirais forcément éco-communautés, parce que de toute façon, l'évolution doit nous amener à une intégration plus vaste de l'environnement. Je disais, si on va déjà dans le deuxième étage de la spirale, on sort du spécisme, par exemple, on sort du racisme, on sort de toutes ces choses-là, mais en particulier le spécisme. Ça veut dire que la relation aux êtres vivants, on imagine notamment la société, la cité, non plus en exploitation des autres êtres vivants, mais dans un vivre ensemble. Ça veut dire comment vivons-nous avec les animaux sauvages, quels espaces on leur donne, comment vivons-nous avec les animaux domestiques, ça veut dire l'évolution a fait que, ben oui, ils font partie de nos vies, les chiens, les chats, etc. Comment vivons-nous avec les animaux liminaires comme les pigeons, en tout cas des animaux non domestiques, mais qui ont intégré des styles de vie qui font partie de notre collectif. On a des vraies questions qui vont se poser, et là, qui appartiennent à la construction d'une société dans le deuxième étage de la spirale dynamique, à savoir donc le jaune et le bleu. Voilà les questions qui vont se poser, qui ne se posent pas encore vraiment dans les projets, en tout cas, que je vois aujourd'hui et qui en constituent une forme de limitation et qui peuvent rendre les gens malheureux, justement, parce que les gens, individuellement, peuvent avoir des états, pas forcément les étapes, hein, rappelez-vous la différence entre état, quelque chose de transitoire dans la conscience, de momentané, et une étape, ça veut dire on s'installe dans une couleur ou dans un état de conscience particulier. Ça fait partie de la vie quotidienne, de la réalité installée dans l'être. Donc, on peut avoir des gens dans du jaune ou du turquoise, mais qui essayent ensemble de faire quelque chose dans le vert. Et là, il y a des véritables souffrances. Et de mon point de vue, ça explique les échecs à répétition que je vois se produire, ou les immenses difficultés, les souffrances que je vois se produire dans ces communautés-là. Toutes celles que je connais, je vois un petit peu ces mêmes questions se poser, avec pas forcément une très bonne connaissance justement des mécanismes que je décris ici. Je pense que ça les aiderait beaucoup s'ils avaient une connaissance de tout ça. Allez, une dernière question. On dépasse un petit peu aujourd'hui. Oui. Eh ben, je veux bien revenir, enfin, je ne sais pas, sauf s'il y avait quelqu'un d'autre. Mais, justement parce que j'accompagne des collectifs et j'utilise aussi la lecture de la spirale pour faire ça. Donc, j'ai vécu dans un éco-village, je suis en train d'en recréer et j'en accompagne. Et justement, je voulais témoigner, peut-être parce que c'est assez rare, qu'il y a des gens qui, selon ma lecture, se positionnent en jaune assez clairement dans les éco-villages verts, qui ne sont pas forcément en souffrance, mais qui clairement ont une attitude, une posture qui est pas forcément facile à lire, mais en tout cas qui inspire, je pense, beaucoup à gagner en une forme d'autonomie tout en restant dans un collectif. Et j'ai aussi accompagné, je commence à accompagner vraiment des collectifs qui ont une couleur assez jaune. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire des collectifs jaunes ou s'ils vont même tenter le turquoise. On en est à s'amuser à explorer ce genre de possible. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça commence à être à peu près faisable. Enfin, en tout cas, ça émerge. Voilà. Merci Jérôme de ton témoignage, et tout ça nous ramène à cette notion essentielle, celle du design. Ça veut dire qu'on construise un éco-village ou d'autres formes de communautés, des gens qui vont entreprendre notamment une aventure ensemble, ils vont devoir effectivement penser et inventer, souvent à partir de rien, donc de manière tout à fait empirique, le design technologique, les codes sociaux, les structures de langage,
les façons de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble, de prendre des décisions ensemble qui permettent l'émergence de cette conscience. Ça veut dire de ne pas nous ramener, parce qu'on utilise du design d'avant par défaut, qui ne vont pas nous ramener collectivement dans une conscience plus archaïque. Ça relève effectivement de questions essentielles, et vraiment j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres lives évolutionnaires. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé et encore une fois apporté des questions vraiment géniales. Ça me fait très plaisir. Alors, il va y avoir une pause pendant l'été parce que je crois qu'on va tous avoir besoin de sortir un petit peu et puis d'apprécier les beaux jours. Donc, on va se retrouver un jour d'été à 18h devant son écran. Moi, le premier d'ailleurs. Donc, je nous donne rendez-vous à la rentrée en septembre. Et j'aurai l'occasion, bien sûr, de publier sur les réseaux sociaux et dans ma newsletter les dates et les prochains sujets. En tout cas, vous le savez, il y aura un replay sur YouTube, comme à chaque fois. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment, pour rester informé. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes. Et puis, je vous remercie. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous sentez que vous avez des compétences à apporter, j'en ai besoin au niveau webmaster, au niveau montage de films, j'en ai besoin au niveau animation, etc. J'entends animation de films. Donc, il y a plein de choses que, si vous les avez, traduction également, vous pouvez les apporter. Et puis, si vous voulez me soutenir, puisque je vis dans le don complètement sur votre générosité, vous pouvez me soutenir en allant sur ma page, nouvelle.com/don. Et je vous donne rendez-vous en septembre prochain. Merci encore et vraiment impatient de continuer cette aventure d'exploration. Belle soirée à vous. Merci Jean-François. Merci. Top. Avec plaisir.